et aujourd'hui, les moyens que peut soit prendre pour les Ukraines. Il y en a certains qui ont une histoire de la conflit de la première guerre, deuxième guerre, moyen âge, ensuite qui était romaine, bien sûr, de la constitution napoléonienne, qui a pu beaucoup de gens de tous les pays d'Europe, y compris nos anciens ennemis. Aujourd'hui, revêtent souvent l'uniforme français, le prestige de la France, le prestige de l'empereur. Donc, c'est assez extraordinaire. Et vous voyez ici, il porte deux décorations qu'il a lui-même ordonnancées, l'ordre de la Légion d'honneur, 29 Floréal en 10, 19 mai 1802. Donc, c'est la Légion d'honneur. Et puis, la couronne de fer du royaume d'Italie, elle n'existe plus. Et la Légion d'honneur, bien sûr, continue de perdurer dans le temps. Oui, et ici, bien sûr, le grand cordon de la Légion d'honneur, parce que, tout simplement, vous savez, c'est la chef d'État, et il porte le grand cordon de la Légion d'honneur, comme le portent tous les chefs d'État français aujourd'hui. Mais c'est curieux de voir que cette décoration a traversé le temps, que ce soit la royauté, les républiques, eh bien, la Légion d'honneur est peut-être la décoration la plus prestigieuse au monde actuellement. Prestigieux, parce que la garde impériale, c'est la réserve d'hommes la plus importante dans l'armée napoléonienne. Et puis, on parlait de nos alliés, donc la Saxe. Les Saxons, le roi de Saxe, Frédéric Auguste, le roi de Saxe, qui était un allié fidèle de Napoléon, et ici, vous avez un colonel des Light Grenadier Guard, les grenadiers de la garde royale saxonne, donc qui vont servir également jusqu'à la bataille de Leipzig dans les rangs de l'armée française. Et puis comment ne pas parler des troupes alliées sans parler de la Pologne, puisque les Polonais ont été depuis 1796 les troupes les plus fidèles à la France. Vous savez quand même que, au point de vue historique, la Pologne est le seul pays d'Europe avec qui la France n'a jamais été en guerre. Donc il y a toujours eu... Vous pouvez les applaudir, hein. Il y a toujours eu...